Je vais vous présenter les meilleures IA à l'heure actuelle qui vont changer votre vie de plusieurs manières. Elles vont vous permettre d'être plus productif, d'utiliser l'IA la plus performante et appropriée dans la tâche que vous devez effectuer. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car chacune de ces IA possède des caractéristiques uniques qui pourraient révolutionner votre façon de travailler, d'apprendre et de créer. Avant de commencer la vidéo, abonnez-vous à notre chaîne YouTube en activant la cloche. Likez cette vidéo pour que l'algorithme YouTube propulse cette vidéo à plus de personnes. Et finalement, rejoignez notre groupe Telegram et notre newsletter. Les liens sont en description. C'est parti, on commence tout de suite. La première IA, c'est donc Grok. Vous allez pouvoir y accéder en mettant grok.com dans la barre de recherche. Grok a comme avantage d'être vraiment très rapide et de pouvoir emmagasiner une grande quantité de données. Nous allons tester cette IA avec un prompt qui est « Rédige-moi un article complet en français sur l'intelligence artificielle ». Je mets « Entrée » et donc on peut voir qu'il a pris que 0,88 secondes pour écrire cette réponse. On peut voir aussi sur l'interface de Grok qu'il a plusieurs modèles de langage que nous pouvons choisir, notamment Gemma 2, Gemma, Llama 3.1, d'autres versions de Llama 3.1, Mistral, etc. On peut voir que sa réponse contient beaucoup de mots. Donc ça va de la définition à l'histoire, aux applications, au point de vue et à la conclusion. De plus, vous allez pouvoir personnaliser Grok à votre manière, notamment en changeant le ton de sa réponse. Vous avez mis votre prompt et qu'il vous a généré une réponse, vous avez juste appuyé sur ce bouton et vous allez pouvoir choisir entre un ton professionnel, éducateur, amical ou neutre. Grok, il est vraiment donc très intéressant, comme je vous l'ai dit, pour faire des tâches qui sont vraiment très rapides. Donc si vous avez un délai qui est vraiment très court pour accomplir une tâche, je vous recommande vraiment d'utiliser Grok car il va vraiment vous permettre d'avoir des bons résultats en un temps très limité. Vous avez donc vu que Grok il est vraiment très rapide. Nous allons donc faire un autre test pour voir encore sa rapidité. Notre prompt est donc écrit la première partie de cet article en 1000 mots. Ici, encore une fois, vous avez pu voir que c'est vraiment très rapide et il nous a encore fait quelque chose de vraiment incroyable. La deuxième IA qui est vraiment bluffante, c'est donc Hugging Chat. Hugging Chat, c'est vraiment intéressant parce que ça va vous permettre d'accéder à plusieurs modèles de langage. Donc comme je vous l'ai déjà montré dans une autre vidéo, vous allez pouvoir accéder à plein de modèles de langage différents. Il y a Meta, Cohere, Mistral, Microsoft, etc. De plus, il y a aussi beaucoup d'assistants que vous allez pouvoir utiliser qui sont vraiment bluffants. Nous allons donc maintenant tester cette IA avec le prompt compare les performances des modèles BERT et GPT-4 pour la classification de texte, fournit des exemples de code pour implémenter chacun. Donc là, on peut voir qu'il a premièrement fait une introduction, ensuite il a spécifié BERT, ensuite GPT-4, ensuite il a fait une comparaison comme je lui ai demandé, et finalement, il a fait un tableau résumant leurs capacités, et finalement, comme je lui ai demandé, donc des exemples de code. Donc là, on peut voir que le code, il est encore en train de faire le code. C'est vraiment impressionnant à la vitesse à laquelle il va et aussi la tâche qu'il peut le faire, donc qui était en plusieurs étapes. Vous voyez vraiment donc Hugging Chat, il est vraiment très intéressant. Vous avez donc accès à plein d'assistants, donc notamment tout cela, vous en avez des dizaines et des dizaines. Vous allez pouvoir utiliser différents modèles et si vous utilisez le modèle de Cohere, vous allez en plus avoir des fonctionnalités donc en plus avec la recherche web, la génération d'images, etc. Si vous voulez plus d'informations sur Hugging Chat, sur Grok et sur toutes les IA que je vais vous présenter jusqu'à la fin de cette vidéo, nous avons déjà fait des vidéos dessus. Les liens sont donc en description et je vous encourage à aller les voir pour en apprendre plus sur l'IA et comment est-ce qu'elle marche vraiment. Nous allons donc passer à une autre IA qui est Gemini. Donc Gemini, c'est l'IA de Google et elle est vraiment très intéressante car elle est vraiment performante pour des tâches qui comprennent des images, du texte ou alors une vidéo. Nous allons faire un test directement sur Gemini. Et ce qui est vraiment bien avec Gemini, c'est aussi que vous avez des crédits illimités. Donc vous allez pouvoir l'utiliser gratuitement et donc indéfiniment. Ça, c'est vraiment intéressant. Et donc vous allez aussi pouvoir utiliser la commande vocale et mettre des images comme je viens de vous le dire. Nous allons donc la tester avec le prompt suivant. J'ai donc mis à Gemini une image de lion et je lui ai donc dit « Analyse cette image et génère une histoire courte basée sur ce que tu vois. Inclus des détails visuels spécifiques dans ton récit. » Il est donc en train de générer et on va voir que le résultat va être simplement époustouflant. Là au début, il analyse l'image donc en faisant une petite description de l'image et ensuite il commence l'histoire courte. On peut voir qu'il y a des dialogues, des descriptions, etc. Et on peut voir qu'il y a des détails visuels spécifiques qui nous précisent. Donc vous voyez vraiment que Gemini va être intéressant
quand vous allez devoir lui mettre des images ou des vidéos et que vous allez analyser ces images, donc que ce soit pour faire des histoires, que ce soit pour les analyser, pour faire des tableaux, etc. Perplexity est donc un moteur de recherche basé sur l'IA qui est vraiment très intéressant et efficace pour obtenir des réponses qui sont précises et à jour sur tous les sujets que vous voulez. Cela vient du fait qu'il est axé au web et qu'il va pouvoir mettre les sources qu'il utilise lors de sa réponse. Nous allons donc tester Perplexity pour voir à quel point il est vraiment pertinent quand vous devez faire des recherches sur Internet ou alors basé sur Internet. Mon prompt est donc: quelles sont les dernières avancées en matière d'intelligence artificielle fournies des sources récentes et fiables? Donc là, la première chose que nous voyons, c'est donc les sources. Ici, nous avons donc la BBC, nous avons d'autres, nous avons Wikipédia, etc. Il nous a donc répondu, donc sa réponse elle est vraiment cohérente. Et ici, on peut vraiment voir, donc avec les petits 5, 2, 3, etc. C'est les sources qu'il a utilisées pour faire le paragraphe en question. Vous allez donc ensuite pouvoir réécrire si cela ne vous a pas plu, le partager, le copier, regarder les sources, etc. Ce qui est vraiment bien aussi, c'est qu'il va vous donner des questions qui sont reliées à ce que vous avez mis. Donc si vous avez donc mis quelque chose sur l'intelligence artificielle, il va vous proposer d'autres questions sur l'intelligence artificielle pour en apprendre plus à ce sujet. Ça, c'est vraiment intéressant si vous voulez vraiment développer votre connaissance. Vous allez aussi pouvoir mettre des images, des vidéos et générer des images. Vous mettez « chercher images » et vous met automatiquement des images qui sont en lien avec votre prompt de départ. C'est donc pareil pour les vidéos et il va vous donner des vidéos qui vont vous permettre d'en apprendre plus sur l'IA. Maintenant, nous allons voir Copilot. Copilot, c'est donc un assistant qui a été créé par Microsoft et il est spécialisé dans la création d'images, notamment basées sur DALL-E 3, mais aussi pour la création de code et pour des tâches et pour des questions assez banales. Nous allons donc le tester dès maintenant avec le prompt « Crée une fonction JavaScript qui implémente l'algorithme de tri rapide, donc le quick sort en JavaScript, accompagné de commentaires explicatifs pour chaque étape. » Donc là, il vient de nous faire le code, donc il est vraiment intéressant. J'imagine qu'il est correct, je ne peux pas vous le confirmer. Donc. Et ensuite, comme je l'ai demandé, il nous fait donc des explications. Donc avec, nous choisissons un élément du tableau comme pivot. Il fait deux sous-tableaux, ensuite il applique le tri rapide. Voilà, donc ici on peut voir qu'il vient de nous détailler donc le code. Donc si vous avez un problème avec votre code ou si vous voulez avoir plus de détails sur un code ou alors voir s'il est bon, vous allez pouvoir demander à Copilot tout cela. Mais comme je vous l'ai dit, il est aussi très intéressant pour la création d'images. Le prompt est donc « Crée l'image d'un astronaute regardant la Terre ». Il dit « Je vais essayer de créer cela ». Et donc là, on peut voir qu'il est en train de créer l'image. Ici, on peut voir qui c'est donc l'outil designer optimisé par DALL-E 3, comme je vous l'ai dit. Ce processus prend quelques secondes et on va voir que le résultat va être simplement bluffant. Ici, on a donc les résultats. Donc, on a 4 propositions. Vous allez pouvoir lui changer le prompt en lui demandant de changer ce petit détail, etc. Vous voyez vraiment que Copilot est un assistant qui est vraiment très intéressant. Donc, cela va de la création d'images à la création de code ou alors pour des recherches normales. Il est vraiment très performant et vu que c'est l'IA de Microsoft, c'est aussi peut-être plus intuitif de l'utiliser. Nous allons maintenant passer à l'avant-dernière IA de cette vidéo. C'est donc Claude. Claude, c'est donc une IA qui a été créée par Anthropic. Récemment, Anthropic a donné au public Claude Sonnet 3.5 qui est l'IA qui, selon moi, est la meilleure sur le marché actuellement. Elle est vraiment pertinente dans l'analyse, la rédaction et la résolution de problèmes complexes et aussi la création de code. Nous allons donc tester Claude AI de différentes manières. Pour la première manière, nous allons donc utiliser le prompt « Analyse les implications éthiques de l'utilisation de l'IA dans le système judiciaire. Présente les arguments pour et contre et suggère un cadre réglementaire. » Donc là, il nous donne les arguments en faveur, les arguments contre, suggestion d'un cadre réglementaire, etc. On peut voir que je lui ai donné un prompt en plusieurs étapes et il a bien réussi à suivre étape par étape et à répondre de manière vraiment très pertinente. Donc on peut voir aussi qu'il y a une nouvelle fonction si on appuie sur ce bouton, c'est donc la fonction artefact. Donc artefact, ça va nous permettre, donc dans la réponse de Claude, ici on a un exemple, et nous dit « Peux-tu m'écrire un code en Python simplifié ?» Et donc là, il commence à répondre et il met le sort de code ici qui est relié au code qu'on peut voir à droite. Donc on va l'essayer dès maintenant. Si je lui dis « Crée un code pour un jeu de voiture », on va voir ce qu'il nous répond.
Donc là, il commence en disant qu'il va créer un jeu de voiture en Python. Et comme je vous l'ai montré tout à l'heure, ici à droite, il nous crée donc tout le code. C'est vraiment intéressant. Il nous fait une sorte de description de ce code au cas où si on ne comprendrait pas certains problèmes. Si vous ne voulez pas avoir le code, vous mettez la croix. Et si vous voulez l'afficher, vous avez juste à appuyer dessus. Donc ça va vraiment être intéressant. Et on peut voir que Claude Sonnet 3.5, il est vraiment très utile. La dernière IA que je vais vous présenter dans cette vidéo et qui est vraiment révolutionnaire, c'est donc l'IA la plus connue qui est ChatGPT. GPT a donc été créé par OpenAI et ChatGPT a aussi plein de modèles de langage différents. Il y avait avant GPT 3.5, maintenant il y a le 4, ils ont récemment sorti le GPT 4o et encore plus récemment GPT 4o mini. Personnellement, je trouve que ChatGPT est vraiment spécialisé pour des tâches donc assez créatives, mais surtout des tâches qui consistent à l'écriture. Nous sommes donc sur ChatGPT et ici on peut voir que nous avons ChatGPT 4o mini. Donc ça, c'est le nouveau modèle de langage qui est apparemment meilleur que Claude 3.5 Sonnet et d'autres modèles de langage pour l'instant. Nous allons donc le tester avec le prompt « Rédige un dialogue créatif entre un scientifique du 18e siècle et un robot du futur discutant des avancées technologiques. » Assure-toi que chaque personnage parle de manière cohérente avec son époque. Donc ici, on peut voir qu'il nous fait donc le scénario, les personnages, et on peut voir qu'il y a vraiment un dialogue. Donc là, pour vraiment la partie créative, ChatGPT va vraiment être meilleur. Donc on peut voir que c'est vraiment très intéressant la manière dont il présente les personnages et sa créativité. Vous allez pouvoir faire bien plus de choses, vous allez pouvoir étendre cette conversation si vous le voulez, vous allez pouvoir lui demander des conseils sur un email, faire rephraser, etc. Et ChatGPT, il est vraiment très intéressant, c'est le plus populaire et je vous conseille vraiment de l'utiliser. Nous avons donc fait le tour des IA les plus puissantes du moment. Ces outils sont là pour vous simplifier la vie, booster votre productivité et vous aider à atteindre de nouveaux objectifs. N'oubliez pas donc de les tester par vous-même, de partager vos expériences en commentaire. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Et si vous voulez en apprendre plus sur chacune des IA que je vous ai présentées dans cette vidéo, nous avons donc fait d'autres vidéos à ce sujet. Les liens sont donc dans la description. Je vous conseille vraiment d'aller les voir. Rejoignez notre groupe Telegram et notre newsletter. Les liens sont aussi dans la description. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo.